te bénissons. Merci pour cette grâce. Merci parce que nous sommes dans ta présence. Et merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, veillez vous asseoir. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je vais parler encore de l'importance de la délivrance. Nous sommes dans un ministère de délivrance. Délivrance qui veut dire que défaire une personne d'une situation difficile, aider une personne à sortir des difficultés spirituelles. Amen. Amen. Ici, nos spécialités et les spécialités, plutôt, c'est la destruction des œufs de la sorcellerie. Je parle de délivrance et la délivrance, ça se désire. Ça dit, tant que tu ne désiras pas la délivrance, Dieu ne pourra jamais te délivrer. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Dieu ne vient pas dans une chambre pour délivrer quelqu'un. Amen. Amen. On dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de préparer ma tournée. C'est pour ça que je suis un peu... Je laisse le pasteur Philippe. T'as vu, celui le second. Je laisse un peu dans les activités. Je n'étais pas là hier. Je suis en train de préparer une tournée dans beaucoup de pays européens. Amen. Amen. Voilà, donc je suis en train de préparer sur tous les plans spirituels et tout ça. Donc, parce que c'est vraiment important de savoir après moi comment la chose se gère, après moi comment les gens gèrent le ministère. Amen. Amen. Voilà. Et souvent les gens pensent que il faut forcément que le prophète soit là. Si le prophète n'est pas là, bon, Jésus est absent. Oui, souvent les gens. J'ai vu des personnes même qui me disaient ça sur le Facebook tout à l'heure, mais on t'a pas vu à la veillée. J'ai dit, mais est-ce que vous n'avez pas vu Jésus? Bon, ok. Moi, je peux être absent à la veillée, mais Jésus est plus important, celui qui est là. Amen. Amen. Voilà, je suis en train de préparer une tournée internationale. Parce qu'on n'a pas que la Côte d'Ivoire, on a plus de 200, il y a 212 pays qui sont ajoutés. Sinon, sur Internet, on était dans le temps, 168 pays qui nous suivent sur le YouTube. Nous avons maintenant créé notre site, ça ne fait pas deux semaines que nous avons lancé le site, en même temps une TV sur Internet pour permettre à notre message de passer. C'est le ministère qui démystifie la sorcellerie. Pour nous, la sorcellerie n'est rien. Ce n'est qu'une œuvre de Satan. Or, quand on a Dieu, on est au-dessus de tout ça. Quand on a Jésus-Christ, on est au-dessus de tout ça. Amen. Amen. Voilà, donc il faudrait comprendre que quand on a Jésus-Christ, on est au-dessus de tout ça. Non, on peut me laisser le film là, laisser le monsieur. N'est-ce pas, au dévoilement, ça nous dévoilons et nous détruisons les œuvres du diable. Le dévoilement et la destruction des œuvres du diable. Donc, je parlais un peu de la délivrance, ça se désire. Si tu ne désires pas la délivrance, il y a des gens qui peuvent être là dans une situation et qui se plaignent dans la situation. Or, toi qui es à l'extérieur, tu vois la personne est dans les difficultés, tu te dis, mais ce que tu vis là, c'est pas normal. Mais la personne ne fait pas d'effort. Elle a dit, oui, j'essaie. Mais elle ne fait pas de pas. Elle ne fait pas d'effort. Or, tant qu'elle ne fera pas d'effort, on ne verra jamais Dieu la délivrer. Il faut qu'elle participe. Amen. Amen. Oui. C'est pour ça que cette histoire de délivrance, ce n'est pas une question de papa ou maman qui va te. On peut peut-être éclairer sur une situation. Mais si toi, tu ne veux pas, Dieu te laisse dans la situation. Amen. Amen. Dieu te laisse carrément dans la situation parce que ça se désire. Pour que Dieu délivre quelqu'un, il faut que cette personne prenne conscience qu'elle est dans un état difficile, qu'elle a besoin d'une aide, qu'elle a besoin vraiment de Dieu. Sinon, Dieu ne fera rien. C'est pour ça que Dieu, ce n'est pas tout le monde qui le sauve, ce n'est pas tout le monde qui le délivre. Les gens sont là, ils sont là, mais Dieu ne les délivre pas. Vous allez voir quelqu'un dans la rue, vous voyez qu'il est difficile, il atteint, sinon peut-être la folie d'une situation terrible, à point que même la personne commence à parler seule dans la rue. Mais Dieu ne la délivre pas parce que, bon, elle ne fait rien pour que Dieu délivre. Or, il y a toujours un prix à payer pour que Dieu délivre une personne. Amen. Amen. Il y a des efforts que nous fournissons dans la prière. Amen. Amen. On se déplace parce qu'on a besoin de quelqu'un pour nous aider dans la spiritualité, pour avancer. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui se déplacent, qui paient le prix. Il y a toujours un prix à payer. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui a été sorti d'une situation comme ça. Il y a toujours un prix à payer. Amen. Il y a toujours un prix à payer. Même pour attendre Canaan, il a fallu qu'Israël fasse des années, plus de 40 ans, dans le désert, pour atteindre Canaan. Il y a toujours un prix à payer parce que c'est une bénédiction. Or, qu'on est assis, et qu'on est dans une situation, et qu'on nous parle même de la situation, qu'on ne fait rien, on ne pouvons même mourir
dans cette situation. Amen. Nous pouvons mourir de cette situation. Or, la chose la plus intéressante, c'est de tomber sur la personne. Parce qu'il y a des gens à qui Dieu a donné une onction. Et c'est ces personnes-là qui peuvent régler la situation. Dieu ne sait pas, il ne se trompe pas comme ça pour donner des dons. Or, la Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. D'ordre dans le sens où il fait des choses bien. Tout ce qu'il fait est bon. Amen. Voilà, il y a des gens, ils ont reçu un don, peut-être la vision, mais ils ne peuvent pas délivrer. Ils vont tout expliquer des choses, mais ils ne pourront jamais te délivrer. Amen. Oui, ils vont tout expliquer, rentrer dans les moindres détails, mais ils ne pourront jamais te délivrer. Or, ce n'est pas à tout le monde que les démons obéissent. Parce que tu n'as pas reçu ce mandat. Voilà, il y a des catégories de démons. Il faut avoir le mandat de Dieu pour que le démon t'écoute. C'est pour ça que quand vous regardez un peu dans Actes des Apôtres, les gens sont allés délivrer au nom de Jésus qui chassait Paul et de Jésus. Le possédé a dit, mais je connais Jésus et je connais Paul, mais vous qui vous êtes? Il les a bien frappés, ils sont partis nus. Amen. Voilà, donc ce n'est pas tout le monde à qui les démons obéissent. Ils peuvent commencer à chasser un démon, mais arriver à un certain niveau de la délivrance, il faut avoir un mandat de Dieu. C'est pour ça que ce n'est pas tous les démons, les esprits qui obéissent à tout le monde. Donc Dieu, dans sa grâce, la Bible nous dit dans Corinthiens, il y a diversité de dons. Amen. Donc Dieu va donner à chaque personne un don, ou bien des dons, voilà, pour aider le corps de Christ. Amen. Pour aider le corps de Christ. Non, notre spécialité ici, c'est la destruction des œuvres des ténèbres. Et surtout, bien sûr, les œuvres de la sorcellerie. J'ai donné la définition de la sorcellerie, vous le savez très bien, je ne cesse de donner la définition. Qui est lanceur de sort, celui à qui on a donné, on lançait un mauvais sort. Tu peux être là, puis quelqu'un peut donner un mauvais sort. Ou ta vie, tu ne reconnais plus ta vie. Tu as l'impression qu'on te tue, on te tue en bas. Tu n'avances plus au moment où l'homme, les autres avancent, toi tu n'avances pas. Or la chose c'est spirituelle, tu le ressens dans ton cœur, que tu ne bouges plus. Au moment où les gens sont contents, toi tu es frustré. Parce que tu t'es dit, à un certain niveau, maintenant là, je vais me marier, tu n'arrives plus à te marier. Amen. Parce que le mariage, c'est une bénédiction. On peut vous donner... Écoutez, quelqu'un peut même... J'ai fini par comprendre, je suis en train d'étudier le Saint-Esprit. On peut vous donner la sorcellerie au travers des rapports sexuels. Oui. Comme je suis en train d'écrire un livre, je suis en train de toucher. Oui, parce que l'esprit que vous voyez qu'on dit mari de nuit, non, on ne dit pas mari de nuit, on dit mari esprit. Parce que ce n'est pas un mari qui est dans la nuit seulement. Il est dans ta vie, donc il devient un mari qui est esprit, qui est dans ta vie. Or, si tu es épousé spirituellement, généralement ce ne sont pas des esprits, ce sont de la sorcellerie. C'est quelqu'un qui est là, mais qui pratique une sorcellerie sur ta vie. Qui est là, qui est autour de toi. C'est ça qui me fait, j'ai toujours dit, méfiez-vous de votre entourage. Amen. Le jour qui ne maîtrise plus ton entourage, tu es mort. Tu marches avec quelqu'un pour savoir ce qu'il est. Oui, c'est clair. Franchement. Amen. Tu ne maîtrises pas ton entourage, toi-même là, tu es mort. Parce que celui qui va t'avoir, c'est celui qui te connaît le mieux, le plus. J'ai toujours dit aux gens, ceux qui venaient attraper Jésus, voilà, vous me regardez, attends, je bouge un peu. Amen. Ceux qui voulaient Jésus, en voulaient à Jésus, ils étaient là, ils voulaient la vie de Jésus. Et puis, Jésus a dit, bon, ok, Jésus l'a même là. Oui, j'ai toujours dit aux gens, il y a des gens qui marchent avec vous par intérêt. C'est vrai que même la vie, ça fait d'intérêt. Qu'on veut ou pas, qu'on est amis, c'est du donnat-donnat. Mais la personne est là, elle... S'il vous plaît, on peut couper le téléphone. Ça va vraiment. C'est elle qu'on doit aider, mais elle ne fait rien pour t'apporter quelque chose. Il faut comprendre qu'elle n'est plus utile à ta vie. Parce que si tu es dans ma vie, c'est du donnat-donnat. La vie, c'est du donnat-donnat. Si je te rends service... Je dois être convaincu que tu m'apportes quelque chose. Ta présence m'apporte quelque chose dans ma vie. Or, si tu ne m'apportes rien, c'est que tu es inutile. Or, quand tu es inutile, tu es utile au diable pour ma destruction. Le jour où je remplis service, tu finiras par me détruire. Amen. Le jour où vous découvrez qu'une personne est là pour un intérêt matériel, que vous voyez ça physiquement, qu'elle ne vous apporte rien, qu'elle est là, vous savez que... Mais elle veut toujours avoir du matériel, veut que vous l'aidez toujours. Et puis elle ne fournit rien, même dans les idées, elle ne fournit rien. Quand tu veux construire, tu ne donnes même pas la possibilité de construire. Ah non, tu as fait quoi la maison? Non, et puis elle veut toujours celle qui te demande. Méfiez-vous de cette personne.
elle ne vous fait pas avancer. Et quand une personne ne te fait pas avancer, c'est un esprit satanique et démoniaque. Jésus, Judas avait une manière de voir Jésus. Au moins, on le voyait comme maître. Bon, Judas voyait Jésus comme une marchandise. Que quelqu'un qu'on devait vendre. Amen. C'est pour ça que quand vous êtes avec des gens, s'il vous plaît, ouvrez votre tête, votre esprit, et puis écoutez leur manière, leur manière d'intervenir vis-à-vis de vous. Quand vous sortez avec eux, ouvrez l'esprit pour voir comment ils vous prennent. Amen. Oui, souvent on fait confiance. Et la confiance fait que souvent on est bête. On se dit non. Oh, moi j'ai fini par comprendre aujourd'hui. Je ne fais pas confiance aux gens 100%. Souvent ça choque les gens que je parle. Ça les choque. Mais oui. Parce que la confiance là, ça se mérite. Vous avez ça au moins? Tu m'as fait quoi et je te fais confiance? Parce que ça se mérite. Tu mérites ma confiance parce que tu as posé des choses dans ma vie qui font qu'aujourd'hui, quand on parle même de toi, il dit non, lui, il ne peut pas faire ça parce qu'il est fait. Pourquoi ça vous surprend quand on vous dit que telle personne a parlé mal de vous, telle personne a fait des trucs? Amen. Non, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Elle a fait quoi? Elle t'a une fois défendu, elle t'a une fois protégé, elle t'a une fois dit. C'est ça que Jésus était. Il voulait savoir qu'est-ce que les gens disaient de lui. Il a dit un jour à des disciples, qu'est-ce que les gens rencontrent de moi? Quand vous sortez là, ils disent quoi de moi? Or, Jésus s'est rendu compte que les gens ne savaient même pas qui était Jésus. Il dit qu'on dit que tu es Jean-Baptiste, on dit que tu es Élie, vous comprenez? Et il marchait avec Jésus, mais il ne savait même pas qui il est. Il s'est rendu compte mais qu'il marchait avec des gens, mais qu'il ne le maîtrisait même pas. Amen. Amen. Voilà, quand on marchait avec des gens, il faut savoir si le monsieur, quand il est seul, il n'est même pas avec toi, s'il te défend. Est-ce qu'il te protège? Tout ça, c'est important. Vous marchez comme ça, les gens. Amen. Amen. Oui, oui. Il faut être sûr que non, tu marches, la personne là, mais elle est prête pour te défendre. Elle est prête. Quand c'est comme ça, quel que soit ce qui va arriver, la personne sera toujours prête à mourir avec toi. Amen. Elle ne va jamais permettre à Satan. Or, les gens même ne savaient même pas qui était Jésus. Imagine Jésus comme ça, parce que Jésus, de temps en temps, il faisait le manger, de temps en temps, il les aidait. Donc, je dis, mais qu'est-ce que les gens disent que je suis? Et non, tu es Élie. Et c'est Pierre qui s'est levé pour dire, non, mais tu es le fils de Dieu. Amen. Amen. Tu es le fils de Dieu. Or, vous marchez avec les gens, vous branchez des gens, vous leur rendez peut-être service. Mais ces personnes-là sont en train de chercher comment vous de nuit. La personne, vous savez, quand quelqu'un veut te nuire, il n'est pas distant. Il a plus peur quand il est loin de toi. Mais il va vouloir se rapprocher. Il va vouloir se rapprocher de toi et puis chercher à te détruire. Pourquoi? Il va d'abord chercher à savoir tes faiblesses. Amen. Amen. Parce que l'homme, vous voyez, l'homme a toujours des qualités et puis des faiblesses. Or, lui va se baser sur tes faiblesses. Il va calculer et puis chercher à te détruire. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. 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 Et donc c'est pour ça que c'est vraiment important. Tu marches avec qui? Tu viens avec qui? Donc je parlais tout à l'heure de l'esprit de Marie de nuit. Souvent les gens disent Marie de nuit. Non, après la Marie, esprit. Amen. Amen. Vous avez des gens, vous avez l'impression, quand vous dormez, vous avez des rapports nocturnes. Ou souvent c'est même pas nocturne. Ta petite sait ce que tu vas faire. Il y a quelqu'un qui abuse de toi. Amen. 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 Le Dieu va commencer à influencer ton... Tu n'as même plus envie de vivre. Tout le monde t'énerve. C'est dangereux. Tu n'as même plus goût à la vie. Tout est bizarre autour de toi. C'est dangereux. Amen. Ce qui doit rester un homme, c'est l'espoir. L'expérience. Tu te lèves matin, tu crois que ça va aller chez toi. Quand c'est perdu dans la vie d'un homme, c'est fini. Sa vie est gâchée. Amen. Donc l'esprit là va commencer à provoquer. Et puis tu as l'impression que tes amitiés commencent à se gâter. Quand tu as des trucs, ça se gâte autour de toi. Tes relations ne durent pas. Les choses sont bizarres. Ça veut dire que quelque part, il y a une présence. Le diable a déjà pris ta vie. Quand tu vas commencer à dormir, tu vas commencer à voir dans tes rêves. Tu as l'impression que tu es en train de manger avec des personnes que tu ne connais pas. Il y a deux formes de sorcellerie, c'est-à-dire initiation. Il y a l'initiation qui se fait au travers du repas. J'ai expliqué ça, les rêves. C'est pour ça que dans ces temps-ci, on va essayer de mettre sur l'internet, sur ma chaîne. Et j'ai commencé à expliquer tout ce qu'on appelle les rêves diaboliques. Comme vous avez, voilà. Parce que les rêves, souvent, les sons que vous faites souvent, c'est des messages. Mais comme vous ne comprenez pas ça, ça finit par arriver. Or, quand vous mangez en rêve, vous avez l'impression que vous mangez des personnes et puis les personnes vous regardent. Elles sont autour de vous, êtes seules en train de manger le repas et les gens vous regardent. Et souvent, c'est mélangé, c'est du riz, un peu de l'huile rouge.
Quand c'est comme ça, c'est dangereux. Ça veut dire qu'il y a une initiation de la sorcellerie. Bon, ça va commencer à se développer. Dans le sens où, quand tu es là, tu as les pensées négatives. C'est-à-dire, tu as l'impression que le monsieur va faire accident. Et puis, il fait accident. Tu as l'impression que quelque chose va arriver à telle personne. Et puis, la personne fait. Et puis, tu as l'impression de dire, lui là, je sais qu'il va sortir moi. Il n'y a rien à faire. Et puis, oui. Et puis, le monsieur, il vient dans ton lit. Tu as l'impression que quand tu règnes un homme même, quand tu es une fille, tu règnes un homme comme ça, tu possèdes déjà sa pensée. Tu as l'impression de lui injecter ta pensée. Et puis le monsieur, ce que tu voulais là, il vient vers toi et te drague. Est-ce qu'on essaie un peu? Ça veut dire qu'il y a un esprit de sorcellerie qui est dans ta vie, qui est en train de se développer. C'est comme ça que les sorciers travaillent. Est-ce qu'on a bien saisi? Ouais. C'est comme ça. Les pensées négatives, c'est là, c'est négatif. Tes pensées négatives, tu ne peux pas contrôler ça. C'est-à-dire, lui, là, il sait que cette fille-là, il y a la voix. Il n'y a rien à faire. Et puis la fille, du coup, elle commence à te regarder. Et puis elle vient vers toi. Que Dieu nous aide. Amen. Il y a des gens qui travaillent au travail des pensées. Ils peuvent t'envoûter au travail des pensées. Ils peuvent t'envoûter. En te regardant, ils peuvent même t'injecter une pensée. Ils peuvent t'envoûter. Ou dans son rêve, carrément, dans ton rêve, tu as l'impression que le monsieur l'a couché à toi dans le rêve. Tu as l'impression que telle personne couche avec toi dans le rêve. Or, quand vous regardez ça, vous voyez ça dans vos rêves, quand il y a des rapports nocturnes, il y a des rapports, ça veut dire qu'il y a une présence des démons. Il faut te faire délivrer. Non, cherche à te faire délivrer. Quand il y a eu un rapport, il y a eu des choses qui t'ont injecté. Oui. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Est-ce qu'on m'a saisi un peu? Amen. 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 C'est que quand forcément tu as eu un rapport dans le rêve, quand il y a eu un rapport dans le rêve, c'est que l'esprit t'a mis des choses en toi. Or, vous savez bien que les esprits, ils mettent une sémence. Et cette sémence, elle est diabolique. Cette sémence, elle est négative. Quand on met quelque chose en toi, c'est pour nuire à ta vie. Or, quand c'est fréquent, c'est dangereux. Il y a des choses que vous ne devez plus voir dans vos vies. Quand vous dormez, les rapports nocturnes. Quelqu'un ne doit plus abuser de toi. Pourquoi? Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dis amen avec moi. Amen. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Oh, vous savez bien que les rapports, quand quelqu'un vient abuser de toi en rêve, dans le rêve même, il injecte. J'ai toujours dit aux gens, vous voyez, l'esprit, vous voyez là. C'est blanc, non? Excusez-moi. Hein? Mais c'est du sang. Oui, c'est du sang. C'est blanc, vous voyez, mais c'est du sang. Or, la Bible nous dit que l'âme se trouve dans le sang. L'âme se trouve dans le sang. Or, les sorciers, vous voyez, on les appelle les mangeurs. Ah, vous avez tout compris. Donc, ils ont des rapports avec toi, le contact avec les spermes que tu as, même le sperme, la femme, on peut déjà commencer à te détruire. C'est ça qu'il dit, mais les gens vont coucher les prostituées. C'est vrai qu'ils utilisent les préservatifs. Ils couchent avec les prostituées et puis ils laissent les préservatifs chez la prostituée. Vous savez comment elle peut prendre le sperme après pour t'attaquer? Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. C'est un élément très important pour envoûter quelqu'un. Amen. Amen. Vous allez quelque part dormir dans une maison, la première fois où vous venez quelque part. Vos rêves doivent être importants. Je suis venu dormir, qu'est-ce que j'ai vu? Tout ça c'est important. J'ai dormi et qu'est-ce qui s'est passé dans mon rêve? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça c'est important. De savoir qu'on est, on est quelque part qui n'est pas bien ou mais qui est bon. Ou même j'ai dormi avec quelqu'un dans le même lit que moi. Et puis du coup, j'ai l'impression que des choses se passent. Il faut comprendre que la personne a un esprit négatif. C'est pour ça que partager le lit avec quelqu'un, il faut le connaître. Il faut connaître la personne. Si vous ne connaissez pas la personne peut prendre votre âme sans le savoir. Vous dormez, non? Vous ne savez pas ce qui se passe? La personne a un esprit négatif, elle va commencer à traverser vous. Or, le contact avec vous, il y a des choses. Frère, nous naissons forcément avec quelque chose de bon. Personne n'est ni avec quelque chose de négatif. Non, il y a quelque chose qui est en nous qui est bon. Or, c'est l'élément là qui est bon là, que le diable cherche à voir. Est-ce qu'on ça m'écoute un peu? Amen. 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 Est-ce qu'on m'écoute un peu? Amen. Amen. Comment regarder l'histoire de la femme? Les deux prostituées qui vivent dans la même maison. Une qui vient héberger sa camarade prostituée. Elles ont fait le même jour les enfants. Et puis un moment donné, l'autre s'est couché sur son bébé. Le bébé est mort. Pendant que l'autre donnait, il y a eu des changes de bébés.
quand vous dormez avec quelqu'un dans une même maison qui a un esprit négatif, ce qui va l'intéresser, c'est ce qui est bon en toi, là, que la personne va venir prendre pour aller vendre. Parce qu'en matière de sorcellerie, il y a ce qu'on appelle les trocs. Est-ce qu'on me suit un peu? Amen. 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 Oui, c'est ça que les fréquentations. Vous fréquentez qui? Il y a un dicton qui dit, dis-moi, celui qui te fréquente, je dirai qui tu es. Vous comprenez? C'est ça que la Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est pas le bon là qui... Non, c'est ce qui est mauvais. Parce que toi tu es bon, non? Lui qui est mauvais, là, il va venir te gâter. Est-ce que vous avez bien saisi? Amen. Hein? Amen. Prenez un panier de poisson. Scientifiquement, prenez un panier de poisson. Et puis prenez un autre poisson qui est en décomposition. Venez l'introduire dans le panier. Les heures, une heure du temps, tout sera décomposé. Tout va se décomposer. C'est pour ça que quand tu fréquentes une personne, il faut être convaincu que la personne est un esprit saint. Amen. Est-ce qu'on me saisit un peu? Amen. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'enfants du diable que des enfants de Dieu. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Il y a plus d'enfants du diable que les enfants de Dieu. Donc, vous devez vous méfier. C'est pour ça que Jésus parle de la prudence. Jésus dit, soyez prudents comme des serpents. Soyez prudents. Parce qu'il y a une fraction de ces où vous pouvez perdre toute la grâce. Tu peux perdre ton entreprise. Tu peux perdre ton foyer. Tu peux perdre tout. Ton argent, tu peux tout perdre. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit contraire. Il y a un esprit négatif qui est rentré dans ta vie. Or, quand l'esprit vient, il fait tout tomber. C'est ça qu'il fait faire attention. Tes fréquentations. Le monsieur te fréquente là. Est-ce qu'il a un bon esprit? Je dis toujours aux gens, Dieu nous a donné ce qu'on appelle l'intuition, qui nous permet d'avoir le discernement. Quand vous atteignez ce stade-là, vous réussissez dans votre vie. Quand votre esprit commence à vous interpeller, commencez à vous asseoir, et puis ce n'est pas mauvais. Non, tu doutes de moi. Non, mais ce n'est pas mauvais. Maintenant, prouve-moi le contraire. Amen. Amen. Oui, c'est ce qu'il dit aux gens. Si je doute de toi, démontre-moi que c'est faux. Est-ce que tu m'as bien saisi? Amen. Non, mais tu doutes de moi. Oui, je doute de toi. Tu ne m'as pas encore montré que ce que je pense là est faux. Est-ce que tu m'as bien saisi? Amen. 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 Alléluia. Amen. Toutes mes chers acclament le Seigneur. Ah non, mais toi-même, là, toujours tu doutes de moi. Hé, hey, cher. Tu m'as fait quoi? Oui. Je vous ai dit toujours, la confiance, c'est mérite. Je vous ai dit toujours ça. Donc faites attention à vos collègues, vos collaborateurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont en eux, il y a un esprit, ça ne dépend pas d'eux. La sorcellerie là, quand vous écoutez les gens, ça ne dépend pas d'eux, c'est plus fort que eux. Or quand c'est en eux, c'est ce qui est bon en toi. Ils savent qui est une étoile, ils savent qui doit avancer, ils savent qui doit réussir, ils savent qui doit avoir un marché. Or c'est ce qui est en lui là, mauvais là, qui va détruire ce qui est bon en toi. Amen. Or la vie, vous voyez là, on peut la perdre à une fraction de seconde. On peut la perdre. On m'a bien saisi? Amen. On peut la perdre. Or, Dieu va commencer à créer quelque chose en toi, une intuition. Tu vas commencer à comprendre que le monsieur là, je le fréquente. Est-ce qu'il m'a aidé? Est-ce qu'il m'aide? Est-ce que quand je suis avec lui, j'avance? Frère, celui qui ne te fait pas avancer, il faut te séparer de lui. Amen. C'est pas forcé. Amen. 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 Il faut étudier ce qu'il est bon. Parce que Dieu envoie toujours quelqu'un pour t'aider. Il y a des gens, vous voyez la vie là. La vie là. Dieu envoie toujours quelqu'un pour nous faire entrer dans une bénédiction. Amen. Amen. Dieu envoie toujours quelqu'un pour nous faire entrer dans une étape de bénédiction. Comme le diable aussi a ses agents pour te nuire, pour te bloquer le chemin. Amen. Amen. Donc il faut avoir le discernement. Depuis que j'ai rencontré telle personne, est-ce que les choses ont changé? Sinon, mon frère, c'est pas forcé. Amen. Habiter là, c'est pas forcé. On est parents, oui. On est maman, oui. Mais est-ce que tu me fais avancer? Tu ne peux pas avancer, bon, ok. On doit pouvoir se séparer. C'est pour ça que Lot, Abraham était obligé de se séparer de Lot. Or, quand vous regardez un peu là où Lot allait habiter, vous comprenez pourquoi Abraham s'est séparé de Lot. Amen. Amen. Tu es poussière, tu retourneras là. Ah, on retourne à ce qu'on est.
Or, Lot est parti à Sodome et... Vous savez qu'on appelle Sodome, sodomisé. C'est PD. Amen. Amen. Lui, il allait à Sodome. Il est à l'aise là-bas. C'est qu'il est PD. T'as que tu aimes ça, tu fais. Amen. Tu dis, oh, vous êtes PD. Tu es à l'aise. Il a fallu un ange pour te chasser. Ça veut dire que toi-même, tu es PD. Donc, Abraham, Dieu a eu raison qu'Abraham se sépare de Lot. Amen. Amen. Donc, il y a des rencontres qui ne sont pas spirituelles. Ils sont sataniques. Par contre, il y a des rencontres qui sont ce qu'on appelle les rencontres prophétiques. Il y a des gens, quand tu les rencontres, ta vie t'allume. Par contre, il y a des gens, quand tu les rencontres, ta vie se dégrade. Parce que ce n'est pas l'homme qu'il fallait que tu rencontres dans ta vie. Non, ce n'est pas l'homme qu'il fallait rencontrer. Quand ta vie commence à se dégrader, ce n'est pas péché, ce n'est pas toi, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la personne. C'est pour ça que mettez-vous là et puis réfléchissez. Ce n'est pas mauvais. C'est pour ça que la Bible dit que quand un homme veut construire une maison, la personne s'assoit, erre. Or, nous, on n'a pas le temps de réfléchir. Et c'est dangereux. Au moment où on se rend compte, on s'est dit, mais ce monsieur-là même, mais pourquoi tout ce temps il était dans ma vie? Parce que je constate qu'il n'a jamais été utile à ma vie. Ou bien il n'a jamais été utile à ma vie. Amen. C'est pour ça que quand vous avez une rencontre, commencez déjà à réfléchir. Qu'est-ce que la personne vient m'apporter? Amen. Ce n'est pas forcément l'argent. Hein? Non, ce n'est pas forcément l'argent. Je ne vous parle pas de l'argent. Hein? Ne dis pas non, le prophète dit, si tu me rencontres, il faut que forcément dans l'argent. Non. Amen. Il y a des gens qui peuvent te rendre riche avec leurs idées. Amen. Amen. Oui, il rentre dans ta vie, il te rend riche. Ou bien il a une relation, il crée ce contact-là, t'explose. Amen. Oui, mais je l'ai rencontré, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Je l'ai rencontré, qu'est-ce qui a changé? Il y a des gens, quand tu les rencontres, c'est là même ta vie se dégrade. Tu deviens bizarre et tu ne comprends pas. Et celui-là qui prend ton marché, celui-là qui devient plus puissant que toi, et tu deviens bizarre. C'est pour ça que important, c'est vraiment important d'avoir ce qu'on appelle le discernement. Amen. Amen. Tu fréquentes qui? Or, quand quelqu'un est faux, là, il va tout faire pour se présenter comme agneau. N'est-ce pas? Ouh, il fera tout. Amen. Amen. Mais tu finiras par le reconnaître. Par quoi? Parce qu'il ne t'apporte rien. Tu as constaté que non, il n'y a pas d'avancée. Depuis que tu rencontres, tu as tous les problèmes. Depuis que je le rencontre, j'ai fait des rêves bizarres. Ça va commencer d'abord la spiritualité. J'ai fait des rêves bizarres. Je suis en train de vous aider. La vie, là, ne, on ne se lève pas matin pour dire non. J'ai toujours dit, j'ai dit aux gens, quand vous voyez qu'on dit quelqu'un a reçu dans la vie, il faut le saluer. Il a trop combattu. Amen. Amen. Oui. Vous voyez, on dit non, lui, monsieur, il est devenu grand. Il faut aller le saluer. Mais ce qu'il a vécu pour être là, c'est trop de choses. Parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais vouloir que tu sois grand. Ils ne voudront jamais. Ils seront toujours pour t'attaquer. Ils seront toujours là pour te critiquer. Amen. C'est pour ça que moi, je prends mon temps. Quand je sais, la personne vient dans ma vie pour m'apporter quoi? Or, quand une personne vient dans ta vie, elle doit forcément t'apporter quelque chose. Pas forcément l'argent, mais quelque chose. Elle devient comme une rencontre prophétique. Quelque chose doit se produire. Nos rencontres là, ça doit être bénéfique pour nous deux. Parce que je t'apporte, m'apporte. Amen. Amen. Tu ne dois pas venir manger sorba et dormir. Je suis désolé. C'est toi qui mange le poisson et tu dors. Et tu ne m'apportes rien. Amen. Amen. La vie c'est comme ça. Tu m'aides, je t'aide. On suit Dieu pour aller au ciel. Si elle parle enfer, paradis. Vous voyez qu'on a une église. Chacun les boîtes au couteau pour faire. Chacun les prend Jack Daniel avec le bois. On a peur de l'enfer. Voyez le feu qui va nous brûler là-bas. On a peur. C'est pour ça qu'on est avec Jésus. Sinon, il n'y a pas l'enfer. Tout. En pourquoi Dieu? En pourquoi Dieu? On le suit parce qu'on sait qu'on va gagner. C'est comme ça la vie. Je te suis et gagne quoi? C'est ce que la disciple dit à Jésus. Nous te suivons, nous gagnons quoi? Ah, on gagne quoi? Dans fait de ton nom. Je vais aller au. Mais je te suis et gagne quoi? Les disciples ont dit ça à Jésus. On te suit, on gagne quoi? Tu dis, tu as le paradis, bon, on gagne quoi? Moi, je gagne quoi là-bas? Toi, tu as le paradis construit là-bas, mais moi, je gagne quoi dedans? C'est comme ça. Et frère, c'est comme ça. Hein? Dans fait des trucs, c'est une question de gagnant-gagnant. C'est comme ça. Je l'ai rencontré, il gagne quoi? Je regarde, j'observe. C'est pas forcément l'argent, mais les idées. Depuis que je l'ai rencontré, j'avance. Ok, il est bien.
Mais depuis qu'il a rencontré, c'est moi seulement. Hey, monsieur, c'est moi seulement, il aime, quoi. On investit là, c'est pour exporter, n'est-ce pas? Amen. Hein? Amen. C'est une loi divine. Je mets dedans là, c'est pour recevoir. Amen. Amen. Quand je me lève, battez, puis il va au champ, vous mettez tabac, je creuse, vous mettez arachide là. C'est pour gagner quoi? Arachide. À l'arachide. J'ai semé dans ta vie, il gagne quoi? Donc c'est ça. Ayez le discernement. Je vous conseille beaucoup le discernement. Les gens n'avaient pas le discernement aujourd'hui, c'est fini. Ils ont fait confiance bêtement aux gens. Ils ont perdu leur entreprise. Ils ont fait confiance aux gens bêtement. Ils ont envoyé sa camarade. La camarade a pris son mari. Ah mais oui, c'est comme ça. Elle n'est pas intelligente, elle va prendre ton mari, elle est là pour ça. Tu ne sais même pas qui la personne est. Et puis du coup, tu fais confiance. Moi, je ne fais pas confiance aux gens. Et ça choque les gens, ils disent oui, c'est comme ça que je suis. Maintenant, démonte-moi que ce qui je pense de toi, là, c'est faux. Ou bien? Oui, dans un premier temps, je pense comme ça de toi. Maintenant, quand tu viens, tu dis, ah, voilà, maintenant tu mérites ma... Ah, tu mérites ça. C'est maintenant là, tu as mérité ça. Je vais venir comme ça pour dire non. Mais toi, mais depuis là... Tu me fais pas confiance. Je dis que je te fais pas confiance. Je suis désolé. Tu me fais pas confiance. Tu m'as fait quoi et te fais confiance. Tu es venu comme ça. Pour poser un acte. Tu m'as jamais défendu. Tu n'as jamais rien fait pour moi. Et puis moi, je suis pertinent. Je te suis. Et puis, je te fais confiance. Tu doutes de moi. Et oui, je doute. Comme ça, si tu as fait, ça ne va pas me choquer. Amen. Amen. Maintenant, démontre-moi que ce que je pense de toi est faux. Frère, ayez le discernement. Et c'est ça qui manque beaucoup aux gens. J'ai toujours dit aux gens, regardez, il y a plus d'enfants de diable qu'enfants de Dieu. C'est faux ce qu'il dit. D'ailleurs, quand tu marches là, tu as affaire à un enfant de diable d'abord, avant de trouver un enfant de Dieu. C'est pour ça qu'ayez le discernement. Celui avec qui tu parles là, tu sais pas qui il est. Peut-être son papa c'est Satan. Peut-être qu'il lui met, il mange maintenant même qui assiette qui est Satan. La nuit, la même, ça va, il allait manger chez Satan. Il y a plus d'enfants du diable que les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu là ne sont pas beaucoup. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, il y en a peu d'élus. C'est pour ça que nous autres on est beaucoup combattus. Parce que quand on dénonce leurs pratiques, ils nous combattent. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Satan que des enfants de Dieu. Amen. Amen. On dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu commences à connaître Dieu, quand tu commences à marcher avec Dieu, tu deviens la cible du diable. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien, ils savent très bien que Dieu, avec lui, il y a beaucoup de choses. C'est la bénédiction, il y a la gloire, il y a l'élévation. Or, le diable ne va jamais vouloir que vous rentrez dans une certaine dimension de bénédiction. Il va vous attaquer. D'abord, l'élément qu'il va envoyer, je vous ai dit toujours, il va créer un contact satanique. Il va envoyer quelqu'un bizarre dans ta vie, dans le but de te détourner de la bénédiction. Oui. Amen. Amen. Il va envoyer quelqu'un dans ta vie. Quand Jésus est né, les mages étaient contents de voir l'étoile. Ils sont allés voir Hérode. Oh, Hérode n'est pas content. Il y a des gens où vous allez beau faire manger avec eux, leur donner à manger. Ils ne seront jamais contents de votre bénédiction. Ils ne seront jamais contents. Pourquoi? Parce qu'ils sont enfants du diable. C'est tout. Ils sont destinés à ça. Et ils sont enfants du diable. Non, c'est mon papa, mais lui, il a appelé, il n'est pas de Dieu. C'est un enfant, un agent du diable. Que Dieu nous aide. Amen. Là, viens ici, viens.